Bonjour les enfants, c'est Jean-Marie, bienvenue dans mon jardin. Aujourd'hui, on va faire un tour de mon jardin. Regardez derrière moi, il y a un colibri. Il est juste à côté. Je ferai une autre vidéo avec les colibris, d'accord? Mais aujourd'hui, on va regarder mon jardin, d'accord? Venez avec moi. Ça, c'est ma table. C'est là où je fais beaucoup de travail. Ici, j'ai plein de jolies fleurs. Des orchidées. Ça pousse très bien ici. Un petit lapin. Je monte les escaliers. Petit bain pour les oiseaux. Un aloe vera. Je donne à manger aux oiseaux. Il y en a beaucoup ici. J'ai des fleurs que peut-être tu as dans ton jardin ou peut-être pas. Celle-ci, elle attire les papillons. Celle-ci n'attire personne, mais je l'aime bien quand même, elle est très jolie. Encore un bain pour les oiseaux. Un jeune arbre qui n'a pas encore sorti ses feuilles. Une lavande pleine d'abeilles. Ça, c'est un criquet que tu entends. Il est encore petit. Bientôt, il va faire beaucoup de bruit. Allez, je vais redescendre. Ça, c'est mon chat, un de mes chats. C'est le seul qui vient dehors. Tu vas reconnaître certaines plantes, certainement, que je ramène à l'école des fois. Jolie celle-là. J'ai des herbes pour faire la cuisine ou autre chose. C'est du thym, de l'origan. J'ai laissé les fleurs sécher pour qu'elles fassent des graines, pour que les oiseaux viennent les manger. Bientôt, je vais les couper. Un joli cactus. J'ai mon ombre qui gêne. Voilà ma vue. C'est pas mal, hein? Allez, je vais vous faire voir mon jardin derrière. C'est pas pratique pour y aller. Ah, d'abord, vous allez vous souvenir de ce cactus, comme il est joli. Allez, on va dans le jardin derrière. Il faut que je fasse tout le tour de la maison pour y aller.
Avant, il n'y avait rien ici. Et maintenant, voilà. C'est beaucoup de travail. Ici, j'ai un oranger. Ça, c'est un chêne. Tu vas reconnaître, bien sûr, un citronnier. Ils sont gros, comme maman. Une autre lavande, celle-ci est énorme. Je l'ai plantée il y a seulement 7 ans. Voilà le dernier arbre que j'ai planté, c'est un pêcher. Tu vois les petites pêches qui poussent? Des sauges que raffolent les abeilles. Je vais la caresser. Encore un sauge, celui-là c'est pour les colibris. J'ai une table de jardin. Peut-être des plantes que tu reconnais. Celle-ci fait très attention, elle est très très poison. Mais je l'ai plantée quand même parce que c'est une jolie fleur. Et le soir, c'est très parfumé, ça sent très très bon. Et en été, on ouvre nos fenêtres et le parfum rentre dans la maison. Du romarin. Je vais continuer en descendant. Ça, c'est une sorte d'ail, mais on ne le mange pas. On pourrait. Je continue de descendre. J'ai beaucoup de travail à faire. Là, j'avais mon poulailler, mais je n'ai plus de poules. Là, je fais pousser des pommes de terre. Tiens, en voilà une. Celle-ci commence à pousser. Celle-ci pousse bien. Si j'ai envie de patates, je n'ai qu'à sortir et en chercher. Les rouges ont bien poussé cette année. Je la remets dans la terre. Ce grand arbre ici, je l'ai aussi planté il y a seulement 7 ans. C'est un abricotier. Il est encore en fleur. On devrait avoir beaucoup d'abricots cette année. À côté, c'est un prunier. On a toujours beaucoup, beaucoup de prunes avec. Tu les vois les petites, petites prunes? Ici, c'est une rose du voisin qui a décidé de passer à travers la barrière. Je la laisse. Et tu vois ces quatre boîtes là? C'est là qu'on va planter des légumes. On aura des tomates, des salades. On verra. Je vous tiendrai au courant. On le fera ensemble. Ici, j'ai un pommier. Il fait des pommes blanches. Et derrière ce grand arbre, je l'ai planté aussi. C'est un kaki. Il fait beaucoup, beaucoup, des centaines de kakis tous les ans.
Mon chat me suit partout. Regarde toutes ces fleurs. On ne pourrait jamais les compter. Elles sont recouvertes d'abeilles et de bourdons. Je l'ai aussi planté il y a 7 ans, quand j'ai emménagé ici. Ici, c'est un cerisier. Il a fleuri. Mais les oiseaux me volent toutes les cerises. Tant pis. Et ça, c'est pour se reposer. Quand on a bien travaillé. Tu vois ces fleurs rouges là-haut? C'est un bougainvillier. Il fleurit énormément. Mon chat continue de me suivre. Et voilà, le petit tour de mon jardin. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.